Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, deuxième numéro. L'actualité, il faudrait qu'on en parle déjà. La République, FCC cash à la croisée des chemins. Africa News, Sakombi Molendo a fait signer un acte d'engagement au CTI de Moanda. Et puis, le vrai modérateur parle de l'affaire Matubuana, le ministre de l'Intérieur appelé à désigner un intérimaire. Mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue. L'actualité aujourd'hui, c'est les dangers qu'il y a. Ce danger est tellement grave, il est tellement inquiétant et ça dérange. Le rôle de journaliste, mesdames et messieurs, est celui de fouiller l'information et de venir la présenter à M. Abatou. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent que, bon, on est en train de faire un travail dangereux et aussi périlleux. Mais ce qui est très important, c'est un travail passionnant. Parce qu'il faut constater le mal au Salimi Nambo Kanabiso pour d'abord imaginer Marambodo Kende. L'élan est un secteur moko. Il y a un secteur, il y a télécommunication. Mesdames et messieurs, secteur, il y a télécommunication. Il y a kaka secteur marchandé. Il y a un secteur de souveraineté. Bato yo ba sakani na télécommunication, ça veut dire ba sakani na souveraineté ya mboka. En 1968, tango ba sali système autour d'ango lelo, c'est qu'on peut nous on peut appeler aujourd'hui société parce qu'à l'époque dans qui office il y a poste de télécommunication à l'époque et dans qui parce que bon, il y avait deux bras. Il y avait le poste où dans qui quand la maman courrier la télécommunication, on écoute ma téléphone, le mobile, et ainsi de suite. À l'époque de Belge, ceux qui m'ont trouvé à Poto, à Tindelio Lettre, et Kokoma, à tous dans le village, et Kokoma, bah, Kokoma, c'est là parce que la poste fonctionnait encore. Tant que Batouba est remplacé, bah, Belge, à l'époque de Mobutu, la poste se portait un peu bien. Et elle a qui bien au début, et comme Kokoma m'a bien au fil de temps. Mais na époque il y a Kabila, ça veut dire depuis 96, Tilelo, la poste est morte, quasiment morte. Bah secteur privé, coûte combien que les capos ont la fiabilité. Mais curieusement, la poste est morte avec tout son immobilier aussi. Ce qui est na bamboka le quoi ba province, ne beaucoup moins na bâtiment et miné na poste. Les bâtiments, mais alors des véritables bâtiments, Ezali. Mais aujourd'hui, un service sous le côté, et comme il faut sous-loger, l'entreprise Moussoussou, et Mongouane, ils doivent servir même pas dans l'argent à poste. Et comme il y a un secteur où il y a Koufa. Et là, qui est dans le monopole, il y a Mounene.
Monopole nango zalaki monopole ya ko asseoir d'infrastructure nango. Ça veut dire que certains à télécommunication sont en train de parler bazala babengaka bango ba exploitant public. Bangonde baza ba exploitant public, ça veut dire bangonde baza œil liso ya l'état na domaine wana. Donc c'est un secteur où l'état ko sakanaté, où l'état ko blagueté. Non seulement qu'il y a un coco de Sambongo, mais ça peut détruire un pays parce que c'est un secteur de souveraineté. Na Sénégal, na Cameroun, na Guinée, na Côte d'Ivoire, na Madagascar, cacao Madagascar, na île Maurice. Ba pays on a tout à comprendre que Bakoko Sakanana, secteur na Bangote. Je vous donne des exemples. Na Canada, par exemple, Bazana, ba opérateur, il y a télécommunication, moi et Bélé. Mais le col a besoin d'un préfixe moko. Na États-Unis, le Canada est interdit de conclure certains marchés ou de commettre en péril l'Amérique. Et l'Amérique décide, oblige au Canada. Ce qui est dans un secteur, il faut à la tête Bocha un Canadien. Lui au moins, il peut contrôler Makambo Bélé. Mais chez nous au Congo, c'est le comble malheureusement. L'État congolais a au fil de temps cédé son propre monopole à PCI en Gonaba privé. C'est bien de donner au privé. Tout le monde encourage les privés. Mais il faut que les privés utilisent ma infrastructure. Il y a Congo. Il y a exploitant public qui est la société STP ou la société Zalia Poste Télécommunication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma réseau de communication, il faut pas utiliser ma point d'atterrage où ils allient déjà à niveau et où ils ont monopole exclusif. Il y a exploitant public. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Il se passe au Congo des arrangements qui sont allés au-delà même, il y a liberté, au-delà même, il y a souveraineté à Mboka. Autrement dit, il y a un acte de cession, il y a souveraineté à Bissot. Ba ministre Baleka qui n'entend que la Bino va arrêter na bango. Ba Pessi, na ba entreprise ya Libanda, entreprise et outil Libanda, ba Pessi autorisation. Ya Tonga, station d'atterrage na e awa na Congo. Station d'atterrage, Ngolo Banini. Ngolo ba aéroport. Ngolo ba frontière. Parce que moni na ntona ba frontière na Bissot na Belebo, nous avons aussi des frontières virtuelles. On a aussi des frontières électroniques. On a aussi des frontières informatiques. On a aussi des frontières dans le terme espace. Que ce qui va contrôler Ngomalamouté, une bombe peut entrer par là. Imaginons que toutes les communications, toutes les communications que nous faisons au Congo, elles allaient intercepter quelque part, décrypter quelque part, déchiffrer, décoder quelque part, sans autorisation d'Abisso Moko, et là, actuellement, il y a cession, il y a indépendance d'Abisso, cession souveraineté d'Abisso. Tout ça dit qu'on a scandalisé dans le Rwanda. Il y a des data qui sont dans le Rwanda. Il y a des gens qui paniquent. Ça veut dire que ce qui est contrôlé, c'est compliqué. La question de la communication est tellement importante qu'il ne faut pas la laisser entre les mains des privés. Il faut que l'État continue à garder son œil. Mais l'État, quel est l'œil de l'État? L'œil de l'État, effectivement, c'est la société qui est en train de se. Il y a un contrôle, il y a une exclusivité, il y a une infrastructure. Il y a un pays qui est dans l'aéroport. Je vous prends un petit exemple. C'est comme Air France, Topé Air Amérique, Topé Fly Dubaï. Est-ce que c'est pour autant que Fly Dubaï est dans l'avion dans le Congo? Des fois, il y a un aéroport. Imaginons un peu que Fly Dubaï a un aéroport, a un DGM, a un service de sécurité. Qu'est-ce qu'il va faire entrer? On ne sait pas. Non seulement ça, à sali entreprise, à sali aéroport, à quel point ça l'appelle hôtel, à sali transport. Donc, du coup, le Congo regarde comme ça, mais ne voit rien. C'est un peu comme toutes les informations qui passent dans ce pays que l'État ne contrôle pas. Pour la ligne, parce que l'État a voulu lui-même qu'Otika STP na C. C'est-à-dire, société, il y a congolaise, il y a poste de télécommunication. L'État congolais a tiki yango na incapacité, il y a compétition. Ça veut dire que l'État congolais fragilise son propre fils au détriment de Bana Moussous. Bah, on dit non, on va aller en compétition. Mais même si on va aller en compétition, mais on ne peut pas aller comme ça. Vous n'avez pas équipé société Nabino Moro National, vous équipez un côté. Je vous donne un cas, et dans le Sénégal. Le cas du Sénégal est beaucoup plus patent. Naka ya Cameroun. Na Sénégal, tout le temps, il y a un Sonatel. Sonatel, il y a Sénégal. Et là, il y a Bissot Awa, SCTP. Bissot Awa.
Ce que Bango est Sonatel. Rôle à Sonatel, les alliés, effectivement, rôle à distribuer ma carte, notre opérateur, au Balingi, pour investir dans Mboka. Parce qu'aucun pays ne peut refuser cela. Mais Sonatel a saliboué. Après si, exploitant na Yemordali, Yemoko, l'État sénégalais, après si Sonatel, ma casse est belé. Il y a qu'on réguler, il y a qu'on contrôler, il y a qu'on départager ma camboué belé dans le secteur Wana. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vodacom, Orange, RTL, n'importe quel autre réseau, a coquille comme ça la loi tenne à niveau Akuna. Parce que Sonatel a qu'on recadré toujours. Sonatel a des outils possibles à qu'on décoder, à qu'on déchiffrer, n'est-ce qu'on en a même mise sur ma base de données et bien à la Akuna. Mais ce qui se passe chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a un ministre, le ministre passé, il y a Pétentique. Voilà, un arrêté. L'arrêté, Oyo, bon, ma journaliste, au basson marabino facilement, n'a pas si bien sous cop. Bon, que nous comme mon ministre, Oyo, après ça, peut-être un bongo, beaucoup, bon, le belé sous bien. Mais moi, je ne parle pas d'un homme, je parle d'un arrêté ministériel. Bon, t'as vu, t'as vu, combo arrêté, on a, bino, bon, changer quand combo à moutou. Arrêté ministériel numéro K, bar mine, bar pétentique, bar icône, JA, et puis MMW, 004. 2018, du 5 février 2018, portant attribution d'une licence pour établissement et exploitation d'un réseau public à fibre optique en République démocratique du Congo. Après tout ça, sur l'autorité de régulation des postes de télécommunication, blablabla, il est attribué une licence d'établissement d'exploitation d'un réseau public de télécommunication à fibre optique en RDC, conformément aux articles 18, 19, 20, 21, 22 et 38 de la loi cadre numéro 13/2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo pour une durée de 20 ans. Bon, on a besoin de compter qu'on a un contrat. Bah, ça a raté. Bah, on peut s'arrêter à des entités. 20, 15, 30, 100. Bah, on va casser ce côté-là. Dénomination sociale. Liquid Telecom SRAL. RCCM. Bah, Pessini Nango. IDN, IDNAT, ma pessini nango, adresse, ma pessipi adresse nango. Capital, naye, 50 000 $. Boyoki bien, et a 500 000 $ te. Boyoki bien, et a 51 millions $ te. 50 000 $. Ce montant, un Congolais peut l'avoir. Ce montant, un Congolais peut l'avoir. Mais cette entreprise est outil dans l'île Maurice. Bangonde baye, ma petite bango condition est comme ça là, on va venir à point d'atterrage. Point d'atterrage, on a une décolonie, ma petite bango possibilité comme ça la frontière. Bango, ça la frontière, pas la bisto, on a Congo, bah ça la frontière. Quelle est cette entreprise congolaise qui peut faire un point d'atterrage dans l'île Maurice? MTN, Obino Touboyebi, MTN, cette puissante entreprise, bah ça la point d'atterrage dans Bango, dans Cameroun. Bah ça li point d'atterrage, bah bongisi ma Cameroun sur la Cameroun. Mais c'est monsieur Denou Sassou Nguesso qui appelle na Cameroun kuna. Ah mais biya, qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Bah président de l'Union européenne, l'Union africaine, bah koutani na biya, monsieur biya, tu ne peux pas autoriser à une entreprise étrangère à causer la point d'atterrage na mboka na yo. Vous savez ce que le Cameroun a fait? Le Cameroun a décliné tout de suite l'offre en disant à MTN, bon, si vous engagez ma dépense, c'est belé. Bon, ça, les mokabou belé, mais assez. On ne peut plus continuer comme ça. Bon, tique, la bise, c'est un mbongo. Voilà un gouvernement responsable. Pendant que ce gouvernement faisait ça, le nôtre était en train d'attribuer la possibilité nango pour que ça la yango. Pourtant, cette histoire de point d'atterrage, oh, il faut ça la yango, et Zalinani. Boebi, c'est notre société nationale. Yango ne fait ça la yango. Souvenez-vous à l'époque, Nakatanga, un gouverneur s'est amusé, s'est donné le pouvoir de donner le contrat à l'entreprise privée pour que Bango ben la fibre optique na Bango relié d'un point A vers un point B. Mais bizarrement, sur un arrêté, il y a gouverneur, arrêté. Batouana, ba exploitant, ba longwe na cadre cahier des charges na Bango, ba violé intentionnellement yango, ba même yango ailleurs. Moutalande la bango azate, moutalande la bango azate, parce que ba ba ami de, ba frère de, ba cousin de. Bino ba société ou bolingo founda batou, ba lobby, bolingo founda batou. Ici, je ne suis pas en train de m'en prendre dans liquide
télécom. Je ne m'en prends pas dans l'UQ télécom. Je m'en prends à cette saleté d'arrêter. Je m'en prends à Eloko. C'est une monstruosité. Et cette histoire n'est pas dans le journal officiel, malheureusement. Et ben non, ça dit que c'est un arrêté qui a été fait comme ça, mais qui n'a jamais été publié dans le journal officiel. Tu as des doutes, vas-y voir, arrêté dans le journal officiel, au coup d'un côté. Parce que dans le journal officiel, il y a des bêtises qui ne passent pas, au fait. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, beaucoup développer beaucoup un modèle Oyaboué. Au lieu de travailler pour l'intérêt, pour l'amour, pour faire évoluer l'amour, vous prenez des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Le même ministre, la même époque, une autre entreprise, ce qui peut se CAF, ce qui peut se Nini, l'entreprise, une entreprise un peu comme on va dire parallèle, n'a pas même compétence, n'a pas même attribution, n'a exploitant public. Or, dans des pays sérieux de la Gaboué, là où l'exploitant public ne peut pas faire, n'est place aux entreprises privées, mon gars, suppléer. Et c'est le quoi Caritas, non? Caritas, ça fout à Kabatou, place au l'État comme raté. Mais là où nous avons déjà l'existence, il y a SNTP Nabisso, place à la Moussa Nayango, à combien plus forte? Je veux dire, comment on peut imaginer qu'il y a une entreprise concurrentielle, ou à la Naba Mouel, ou qu'on a été, à ça la Moulaye place mon gars? C'est une concurrence déloyale. Aujourd'hui, société Wana et l'État, ils ont engagé combien de personnes? Aujourd'hui, on parle de plus de 3000 personnes. Oh, entreprise, on a ils ont fouta. Mais nous, nous avons une concurrence. Oh, ils ont zéla d'un côté. La conséquence, c'est quoi? Bah, on a un chômage. Bah, on a un gros salaté. Est-ce que vous avez dit que, en principe, il fallait battre un méga? Il fallait battre un giga. Et il y a un SCTP. Il y a un raté qui a un giga et belé. A te qu'il y a un exploitant privé, entrepreneur. Il y a un raté qui a un bango et un go. Et un bango basu un go. Comme vous êtes un go dans Mike, 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 Mike. La société congolaise de postes et télécommunications, SCPT. Excusez-moi, ça peut arriver qu'il y en a changé. TP, c'est beaucoup trop d'abréviations. L'État congolais, il fallait une paix à Bango Makoki. Il fallait écouter l'État congolais à Bunda. Pour que Bango Makoma bien. Il y a un moment donné, il y avait un monsieur comme ça, un DG, Nabosani Komonego, et après. Komonego, et plus tard. Lorsque ce DG-là était là-bas, peinture et bandit, na platnani na immeuble, pas seulement na immeuble, même na katia immeuble. Le monsieur a donné un peu de l'image, image à Malonga na poste. Bah tout le monde dit, oh, poste comme il est beau, même il y a 4, c'est là qui bien. Tout le réseau de communication, oh, va dire que ça va gagner dans mon Kuna. Bah, il y a Kuna, bah, il y a une infrastructure et Vandi. Bah, il y a un projet, une idée, une pensée. Il y a un leadership assumé. Bah, salaire, c'est là qu'on fout, t'as déjà en ce moment-là. Le nom de ce directeur m'échappe, c'est DG m'échappe, mais Goya quand même. Ce monsieur avait peint le bureau. A pessi ma infrastructure na bureau. A sali de façon que naba mongo na ye moko. Naba ressources propres. Y a entreprise. Ba fouta. Il est venu, il a engagé les fils maison. Il a utilisé les compétences ya maison. Mais après, il y a balongo lié pour des raisons. Oh, tout tout, éviter. Bon, il est parti. Ba remplacer leadership pour sous. Ou a comme il travaille, naba consultant. À un moment donné, on ne sait pas qui est comptable, qui est financier, tantôt c'est la même personne, tantôt ça complique. Je ne jette pas du discrédit dans ma tour encore que je ne cite les noms de personne. Tout ce que nous voulons, c'est que la SCPT et Valana leadership Malonga et de façon que Mbappé Makambaza a la possibilité de s'en sortir. Mesdames et messieurs, menace y'a loi au Naïb Sibino. On peut dire de Kabila tout ce que l'on veut. Mais Joseph Kabila a refusé plus d'une fois. Makambabe, vous avez conseillé Mawana. Plus d'une fois. Il a demandé à Batouba reculer. Mais bon, le ministre, parfois, bon, il est comme, il est frère, il est cousin, il est ami, il est. Bon, allez. Bon, on y a taillé blâme. Au lieu, bah, entendre. Ce que nous ne sommes pas en train de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la SNEL a continué à objet social et à société Wana. Un. Deux. Société Wana, OASCPT, à un moment donné,
avec qui qu'on foute cette entreprise mon communication ah on a retenu un combo plus tard entreprise on a dit qu'on foute à 400 000 $ le mois 4 s'il vous plaît 400 000 $ le mois avec qu'on foute un gona SCPT 400 000 le mois la même entreprise ce qui n'a qu'on saki bango ce qui n'a qu'on saki bango ba pesi bango 15 ans d'exploitation, 15 ans, il y a qu'on vivre, on va vivre là, pour 4 000 000 $. Ça veut dire ceci à peu près. Ça veut dire un bradage au boutique là qu'on imaginait. Là où l'État allait gagner, dans 10 mois, l'État allait gagner la somme qu'on a donnée à l'entreprise pour Kafuta pendant 15 ans. Alors, vous allez me dire à moi que Batona Balingimbok, ce qu'on a dit dossier, on a bien, Premier ministre Moka Kangara, le bras Mingi, il est dedans. Un donneur de leçons, aujourd'hui il est dedans. Ce côté là, mon ami, qui a nommé ma directeur, c'est le même ministre, le même premier ministre en question. Oh lelo, ma journaliste est venu comme côté là, lelo. C'est ridicule. Non seulement ridicule, mais c'est scandaleux quand même. Et je suis en train de vous faire comprendre là où les erreurs se sont commises. Mes frères, un réseau de communication, ils ont foutu à 400 000 $, pas tous les réseaux, un seul réseau. 400 000 $ le mois. Donc, dans 10 mois, si je ne me trompe pas, c'est 4 000 000 $. Si on va passer à l'entreprise Ouana, contrat à 15 ans, mais à foutre quand même 4 000 000 $. Ça veut dire que tu vois qu'il y a combien? En 10 mois, on allait avoir le montant qui paye pendant 15 mois. Bon, manque qui a gagné un modèle Ouana pendant 15 ans. Manque qui a gagné un modèle Ouana, Tina Nangonin. Deuxième chose, il y a SNEL. La SNEL a son biba père, Nae. Banque mondiale. Il faut dire ça. Il faut dire la vérité aux gens. La Banque mondiale est derrière Magambe. Les gens n'ont pas assez de courage de le dire, mais moi je vous le dis quand même. La Banque mondiale avait donné à la SNEL une capacité à cause d'un réseau fermé. On dit réseau fermé, Zali. Netibus au Congo Bus, par exemple. Soyinza Masungi, Tokomina Mamoyen Bele, Congo Bus Awa, Congo Bus Nangaba, Avana Kitambo, Avana partout. On aura un réseau fermé. Et quand on a l'entrebisso, tu vas nous communiquer avec l'entrebisso. Donc nous n'avons pas le droit de vendre. Ma père, il y a fibre, on a place Moussous. Bon, on va venir à la fibre noire. Tu côté Kango Libandate. Mais non, un monsieur a vendu la SNEL, non seulement que SNEL a vendu Kango, mais à ça, il même appel d'offres. À ça, il même appel d'offres. Ce qui fait que ma client est belé à SCPT, ma Kimi, ma Keko Somba, Bilokona et pas SNEL. Donc, de bout en bout, hein, bango, bango, gérango, bango, moko. La SNEL n'a pas des experts pour écouter la fibre optique. Non, la SNEL n'utilise que un, peut-être deux paires, ou trois paires, ou peut-être quatre, à la limite. Et ma paire supplémentaire, wana, la SNEL ne pouvait pas le vendre. De la même manière, et d'être que le goal a ngaï, par exemple, tout ça, boué, tout ça, les quartiers, moko, mounene, tout ça, il y a un transformateur, tout ça, il y a un courant, et là, l'objet social n'a pas sauté. Là, on va dire à la SNEL, bon, on te dispose ça, il y a régulé la situation. Mais ce n'est pas le cas chez nous au Congo. C'est pourquoi nous attirons l'attention Nabatou. Faites tout, s'il vous plaît. Bolandela, arrêtez Oyo, botez à la condition Nayango. Ce qui est illégal, disons, ce qui est respecté, la norme, c'est bien. Mais ce qui est respecté, la norme, ce qui est violé la constitution, on vous demande tout simplement de l'annuler. Le ministre de la communication, de la télécommunication, poste et tout ça, la Minitoyo, vous avez rencontré cet arrêté. Et je crois que ça vous a mis mal à l'aise aussi. Alors il est temps de détruire cet arrêté, de l'annuler. Comme arrêté à Kalo, qui est Mambadou à Nouana. OP, la même chose. Faites la même chose avec cet arrêté bidon. Enlevez ça. Ça, c'est des un. Des deux, il y a tellement de dossiers. Ozo n'a pas dit qu'on peut Sabino Ango, Bougo Kana Mawa. Ma dossier je vais le lire les uns après les autres au courant de la semaine. Chaque semaine, bon, nous avons un élément moko. Parce que c'est totalement incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Est-ce que Bobby que SCPT est un outil? Pourquoi Bisso Tozana limité na société à télécommunication Bisso Mokote? On peut l'avoir. Beaucoup de pays africains ont une société à télécommunication à Bangomoko. Aujourd'hui, tout le monde est là. Vodacom, moi, je suis un abonné à Vodacom, je le dis sans crainte. Je suis un abonné à Vodacom. Mais ça fait 4 jours que le réseau n'est pas bon. Ça fait 4 jours que la connexion est mauvaise. 4 jours.
connexion à ma B. Même pas un SMS d'excuse. Même pas un SMS moko. Il n'y a pas à s'excuser, attends qu'on s'excuse. Ma méga, et tout, tu as, et donc si là. Ma tiens, méga, et si li. Nous qui travaillons, quand on a méga, on fait comment? On accuse qui? Quand notre organisation, et consommateurs, ne font absolument rien, on fait comment dans ce cas? Voyez-vous? Donc, ceux qui sont dans la société, la bisomoko. Ah ouais? On n'allait pas avoir ce problème. On n'allait pas du tout avoir ce problème. À la fois, l'État doit avoir un œil qui regarde la question. Ndeko, Bandeko va faire un SCPT. C'est nos frères. C'est des Congolais. Ils ne peuvent pas coupir comme ça. Coupissement est un modèle, on a pour l'anime. Pourquoi nos gouvernants ne peuvent pas signer des arrêtés, prendre des arrêtés au profit de la société? Pourquoi ils prennent des arrêtés au profit des sociétés étrangères? Ils ont un Congo, ah ouais, qu'on détruit Bissau. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a pas quelques éléments, Wana. Mais quand on veut aller encore un peu plus loin, parce que il est important de revenir sur quand même certains faits. Tu sais que nous voulons, nous, ce n'est pas. Dans un côté-là, soutenir Bissau et l'État, parce que on a vu que c'est ça être patriote. On ne peut pas offrir à une autre société la possibilité autre que si l'État n'a mis son côté. Toutes ces choses se sont passées en 2002. Quand on a demandé à notre société, comme elle n'avait pas assez de moyens à ce moment-là, la société Moussoussou, ça l'a un peu en attendant. C'était en attendant que notre société soit équipée. On a fini par équiper la société. Mais les autres ne veulent pas continuer, ne veulent pas laisser. Donc, continuons comme ça, le Maroumou, ça l'a. Ça ne se passe pas comme ça. La société a son coffre, on a son coffre. Je pense que l'État congolais doit faire deux choses. Je propose annuler ce contrat-là, tout simplement, ou alors demander à Sokoff d'aller là où il n'y a pas SPT. SCPT. Demander à Sokoff à qu'il déplace au SCPT à Zaté. À quoi qu'il déplace Telecom à Zaté. Non, sinon ça ne va pas. À qu'il déplace au bureau de comité, il y a ça là-bas, réseau Kouna. C'est bon. Il ne peut pas venir, il place au bureau de Zanango déjà. Ce n'est pas possible. Et ça, que la société n'a plus à l'État, et à la prise en compte. Et à la prise en compte, na l'État congolais. À protéger Yango. À la gardien, il y a l'entreprise Nabiso, parce que c'est le patrimoine Nabiso. La société privée, on a engagé 3000 personnes. La société privée, on a engagé 3000 personnes. Et on a sous-traitant, c'est belé. Oh, ils ont freiné même Nabiso, tout ça, les belé. Est-ce que beaucoup imaginent le modèle, on a? Société liquide, on appelle ça liquide. Société, je répète, je ne m'attaque pas à la société liquide parce que je n'ai rien à faire avec cette société-là. Rien à faire, rien à voir, rien à faire. Moi, je suis en train de parler de l'État congolais qui a donné un marché à la société liquide. Appelle ça à construire point et atterrage dans Emoko. C'est absurde. Heureusement qu'ils n'ont pas encore commencé. Nous demandons à la présidence, à l'organe et à la régulation, aux autorités compétentes, interdisez cette histoire, ça attaque notre souveraineté. Et la souveraineté numérique, nous refusons qu'une société étrangère ait comme ça la propre station dans Yemoko en Congo. On refuse. Donnons le moyen à l'État. A un peu coup de capital à ma cité, 50 000 dollars seulement. A la capitale à Yamalongate. Ce capital-là, même Kouloutounanga est héros. Bato Baebi est héros. A gros la gros la yango bien. Il a plus que 50 000 dollars. Plus que ça. Je ne peux pas encore que Bilo Kabongo va passer en tabac l'Edia. Bilo Kabongo va passer en tabac Congolais va en bongo déjà en Congo. Ça l'a déjà en Congo. On ne peut pas brader Bilo Kabongo. Lui, il gagne combien en faisant ça? Il gagne des millions et des millions. Des millions et des millions. Pour quel capital? Soyons quand même fiers, non, s'il vous plaît. Soyons fiers de nous. On ne peut pas tomber si bas comme ça. On prend un cas. Or, la licence ne s'accompagne que d'un cahier des charges. Mais Liquide va au-delà de son cahier des charges. Il détient 90% des parts et 10% réservés aux Congolais. Ce qui est contre la loi. Donc, maintenant, pour parler dans SNEL, pour contrôler Bilo Kognos, ce sont des choses qu'il faut dire non. On a des informations, on va dénoncer. C'est des informations que nous avons. La société Liquide, bon, je sais qu'il y a des avocats qui voudront avoir un peu d'argent. Ça va sentir qu'il va léser. Le droit de réponse est garanti pour la Moutounios. Mais ici, je répète, je ne m'attaque pas à la société liquide. Non. Ici, je m'attaque à la démarche incendiaire, idiote, stupide de l'État congolais.
Donc c'est pourquoi nous demandons à l'actuel ministre, il y a Pétentique, je ne connais pas les noms d'ailleurs, actuel ministre à Pétentique, nous demandons à la présidence de veiller à ce que, d'un côté à SCPT, il y a changé. La nouvelle administration, nous avons été contactés. On a été contactés, Naba Jean, nous sommes en train de penser de quelle manière tu publier Yango. On parle d'une mégestion. Au niveau de SCPT. On parle d'une mégestion. Je n'ai pas encore d'éléments. Je suis en train de moi-même faire de gros efforts. Mais comme il y a des journalistes qui veulent avoir un peu d'argent pour aller raconter des choses, les journalistes n'ont pas de cop. Détruire ce que je vous dis ici. Mais vous ne détruirez pas les documents que j'ai. Et il n'y a pas que ça. Vous n'allez pas détruire tous ces documents que j'ai. Vous n'allez pas réussir à les détruire. Je n'ai utilisé qu'un seul document, un seul arrêté. Et ça. Chers frères, quand on fait la télévision, ayez des éléments, ayez des preuves. Ici, je ne parle pas d'une entreprise, pour une entreprise privée. Je parle de l'État congolais. Les éléments sont là. Donc, comme à un niveau, mon journaliste, c'est comme obligé à quoi qu'on a des éléments bruits. Comme il copie beaucoup, venez avec des éléments vous aussi. Bon, après, on a des éléments pour ça, là. Bon, mais tant que ça va aider le pays, on va être là. Batouébé, moi je connais des amis de Kounana Bango, papa n'a pas la cana SCPT wana. SCPT. Papa n'a pas la kawana. Jérémy Ozoeba, non? Ozoeba, papa n'a pas la kawana. Avant que la rabango peut kawana, tant que c'est bon peut kawana. Et aujourd'hui, voir cette entreprise mourir, aujourd'hui, voir ce grand patrimoine de l'État, écoute, faka modèle wana. Non! Nous, nous voulons laisser à nos enfants la poste, n'engue to koutaka yango. Dans le côté qui est là-bas, il y a un poste, il y a un document, il y a un poste, document, il y a un document, il y a un bongo. Tolingi bongo, tolingi dans la société, il y a une communication, il y a un Congo, il y a un moko awa. Bamega, il y a un moko awa. Tolingi yango. Donnons la main à SCPT, à ça, la moussa, convenablement. On va revenir avec tous ces documents. Ça sera bien, il faut en avoir l'élément, ça fait plaisir en fait. Tu ne racontes pas des choses sur les éléments. C'est un grand plaisir. Notre GoFundMe continue toujours. Mes frères, l'heure, il y a Koiba et Seleki. Au moins, il y a Koiba et Seleki. C'est pourquoi moi, j'apprécie cette nouvelle dynamique au Elelo. Les gens me disent, mais Christian, Nabi, mes frères, je sais où on va. Je sais où nous allons. Bino quoi? Quand on va dire encore, oh Christian, on a fanatique. Non, la fanatique, je connais la vision. Moi, je l'ai entendu parler. J'ai entendu cet homme parler. Cet homme a dit, na gouvernance nangaï, toutes les sociétés de l'État vont se revêtir de leur plus belle robe. Ça, c'était ses propos. Bah, société à l'État, bah, une société privée. Il y a l'État nanu. Et vous revêtir, bah, ordre, bah, robe nango. Vous avez un problème sérieux. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte à Washington. Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso, il y a un congolais, on y dit que la yo, à ça, il s'agit de te, pour la Corée, la yo, comme un bon de la yo. Pour la toto, la yo, comme un bon de la yo, comme un bon de la yo, par le bio, bio Africa Union, et toi, t'es tout à fait un peu si moi, sinon, vous voyez pas, sinon, vous voyez rien. Pour pas comprendre, Mawa, pas congolais. Où allons-nous?
bon à Colia n'a plus le mot. Pas bon à la vie, Colia n'a averti. Oh.